Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Asdiqai sadiqati marhaban bikoum fi vidéo jadid. Vidéo lioum khas bidars lexique. Lexique thématique relative à la citoyenneté et au comportement civique. Donc tout d'abord on va commencer par j'observe et je découvre. Donc on a un petit texte. Donc on va lire puis on va répondre les questions qui sont là. Un bon citoyen est celui qui comprend et respecte les lois. Il adopte des comportements responsables vis-à-vis de lui-même et des autres. Il contribue à l'éducation, à la santé, à la sécurité routière, à la solidarité au respect de la différence et à la protection de l'environnement. Donc, c'est ce que je veux dire. هو اللي كيحترم لي لوا القوانين اللي كيسلك واللي كينهج سلوكات اللي هما يعني مسؤوله اولا تجاه نفسه وتجاه الاخرين كيساهم في نشر التعليم الصحه السلامه الطرقيه التضامن واحترام الاختلاف و بروتيكسيون دو لانفيرونمون يعني حمايه البيئه. Donc, سؤال أول. À quel thème les mots écrits en gras renvoient-ils? هاد لي مو هادو اللي مكتوبين en gras زعما شنو المجال ديالهم؟ Donc, شوفوا معايا هاد الكلمات نعاودو نقراوهم. Citoyen, respect, loi, adopte, comportement responsable, contribue, éducation, santé, sécurité routière, solidarité, respect, différence, protection, environnement. Donc, هنا كيما كنشوفو أن هاد لي مو هادو كلهم يعني relatif à la citoyenneté et au comportement civique دائما في مجال المواطنه والسلوك المدني. دونك واللي هو نيترا العنوان ديال المجال الوحده الثانيه. دونك لو تيم توجور سي دونك لي مو اكريت ان غرا رانفواتيل دونك او تيم او بيان او ليكسيك تيماتيك نكتبو او تيم دونك لان ليكسيك تيماتيك غيجينا في لا كيستيون نيميرو 2 دونك او تيم relatif à la citoyenneté المواطنة والسلوك المدني et au comportement civique. Donc voilà. D'abord, on va voir le sujet. Comment appelle-t-on les mots qui sont liés à un même thème? Donc, bzaf diyal les mots عندهم علاقه بنفس المجال كنسموهم lexique thématique. Donc, je vous dis comme lexique manque pour le sujet le premier et j'ai la question ديالها في السؤال الثاني. Donc, on l'appelle lexique thématique. Donc voilà, d'abord je manipule, je réfléchis, je classe les mots en gras dans le tableau suivant. Donc les kalimat li mktoubin en gras, ghadi nrtbouhom selon donc sa nature, wach nom, verbe ou bien adjectif. Citoyen donc nom, ism mwatin. Respect verbe. Les lois, donc loi, le قوانين, ce sont, ou bien c'est un nom, adopte, c'est un verbe, comportement, c'est un nom, responsable, c'est un adjectif, donc contribue. Donc, c'est un verbe. Éducation, c'est un nom. Santé, c'est un nom. Donc, sécurité, donc la sécurité, donc, c'est un nom. Tu vois, non, sécurité. Routière, donc, c'est un adjectif.
Solidarité, c'est un nom. Donc, c'est pour un nom. Donc, les noms sont malixer. Au respect, donc, le respect, c'est un nom. L'ihtiram. Donc, au respect de la différence. Donc, différence, c'est un nom. L'ihtilaf. Protection, donc c'est un nom. Donc, bel y a les noms malik tsarin. Protection, himaya, protection. Ou en a l'environnement. Donc, le kalima le bia. C'est un nom. Donc, il m'a quelque chose en a les noms malik tsar. Solidarité, citoyen, respect, loi, différence, comportement, protection, éducation, santé, sécurité et environnement. Ou en a les verbes, donc respect, adopte, contribue. Ou en a les adjectifs, responsable et routière. Donc voilà, dans ce débat, je cherche d'autres mots et expressions relatives à la citoyenneté et au comportement civique. Donc bien sûr, donc un citoyen, mouaten, donc bien sûr, on a le respect, l'ihtiram, solidarité, civisme. Civique, solidaire, donc aider les gens, protection, donc les droits, les huquq, les obligations ou bien les devoirs. Wajibat, loi, qawaneen, etc. Donc, les noms relatifs ou bien les mots et les expressions relatives à la citoyenneté et au comportement civique en bzaf, d'abord, un cas où je retiens. Donc, le lexique thématique est l'ensemble des noms, des verbes, des adjectifs qu'on utilise pour parler d'un thème. Donc, exemple, de lexique thématique relatif à la citoyenneté et au comportement civique, on a les mots citoyen, respect, solidaire, protection, environnement, droit, devoir, protéger, aider, respecter. Donc, les mots les la deuxième question, on a les exercices les exercices je m'entraîne. Donc voilà. Je complète chacune des phrases suivantes par les mots qui conviennent. Communauté, respecter, pays, solidarité. Donc les autorités demandent aux citoyens de respecter le protocole sanitaire. Donc respecter, ihtiram, le protocole sahi, respecter le protocole. Donc pour B, ce citoyen participe au développement de sa communauté. C, si je l'aime beaucoup leur pays, le bled dialhom, leur pays, il participe à une action de solidarité. Donc, solidarité, action de solidarité. Hamla dial tadamon. Et voilà. D'abord, je complète chaque phrase par un mot relatif à la citoyenneté et au comportement civique. Les relatifs au lexique thématique, ou le comportement civique. L'association de notre quartier organise une action de, bien sûr, solidarité, tout simplement. يعني التعاونية ديال الحي نظمت واحد الحملة ديال التضامن. نو هنا غادي بيان سور غادي نديرو واحد الفيرب لونفيرونمون اون بلونطون دي زارب. دونك هنا نو بروتيجون لو فيرب بروتيجي اش كان بروتيجي نو بروتيجون لونفيرونمون نو بروتيجون لونفيرونمون اون بلونطون دي زارب. شاك سيتويان ادي دروا حقوق وفي
مقابل حقوق عندنا الواجبات اي دي دوفوار نقدروا نقولوا دي دوفوار ولا دي زوبليغاسيون راه بحال بحال سو ماتان تو لي زيليكتور هاد الصباح كلشي الناخبين غادي يمشوا باش ينتخبوا لي زيليكتور فون فوتي دابا غادي ندوزو ل جو مي فالو جيكري des phrases pour parler de la citoyenneté et du comportement civique en utilisant commune, solidarité, citoyen, respect. Là, غادي نستعملوا هاد الكلمات هادي باش نهضروا على المجال نديروا جمل نركبوا جمل في نفس المجال donc commune هنا غادي par exemple on peut dire donc tout ou bien tous les citoyens, جميع المواطنين. شنو عندهم؟ Donc ont des droits. عندهم حقوق. يعني مش ط يعني بحال نقولوا نفس الحقوق. ont des droits communs. Donc ont des droits communs. Solidarité, donc par exemple, elle, on a rendu en majuscule, on a T majuscule, elle participe, il participe à une action de solidarité. Solidarité. Tout simplement. Citoyen, donc le citoyen, le mouatin, donc a des devoirs, un douajibet, donc de, a des devoirs vis-à-vis sa communauté. يعني في يعني الوطن اللي تعيش فيه ولا المجتمع بلطو المجتمع اللي تعيش فيه راه عنده واحد الواجبات تجاه هذاك المجتمع اللي تعيش فيه pour الكلمه الاخيره respect donc le respect et par exemple nécessaire donc nécessaire donc entre nous par exemple deuxièmement j'écris deux phrases pour parler de la citoyenneté et du comportement civique donc là on écrit juste les phrases les canadro fihom ala يعني المجال ديال لا سيتوينيتي دو كومبورتمون سيفيك دونك اون بو دير لي زابيتون باغ اكزومبل لي زابيتون دو كارتيي سوك الحي دو كارتيي بارتيسيب à un et de l'action du événement un événement de solidarité donc là un petit mot de solidarité donc article melol kelma kulha donc de solidarité mabqach عندي l'espace fin nktbha hna donc lana عندي jumla tania donc بالنسبه la phrase tania par exemple on peut dire donc l'élève ou bien les élèves ont des devoirs donc vis-à-vis donc son école ou bien six écoles and home wajibat toujours le madaris dialhom donc vis-à-vis six écoles
Et voilà, donc le cours d'aujourd'hui. Donc, la semaine prochaine, inchallah, on va voir la production de l'écrit. On a le sujet de compléter une interview à visée argumentative. Donc, à l'heure prochaine, inchallah, ta'ala, qu'on nous filme, il y a